Salut les amis, c'est Jojal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment jouer à la PS4 sur votre Mac et sur votre ordinateur. D'ailleurs, en fait, pour résumer rapidement la chose, c'est du streaming, vous faites du partage d'écran. Il vous faut donc bien évidemment une PS4. La question qu'on peut se poser, c'est en quoi c'est utile, puisque voilà, on a notre PS4, on a un écran de base, alors à quoi ça sert de jouer sur notre ordinateur? Alors je trouve que c'est très intéressant, surtout pour les couples et pour la famille. Par exemple, je suis en train de jouer à la PS4 et j'ai ma copine qui a envie de regarder la télé. Soit vous faites le bâtard et vous l'envoyez bouler, soit vous faites le gentleman et vous allez sur votre ordinateur pour continuer votre partie. Donc c'est pas si con que ça finalement. Alors comment ça marche? Vous devez tout d'abord faire quelques petits réglages sur votre PS4. Dans les paramètres, vous allez devoir aller dans paramètres de connexion, de la lecture à distance et de l'activer. Ensuite, il faut aller dans PlayStation Network. Et là, vous allez appuyer sur « Activer en tant que PS4 principal ». Et pour finir, on va dans les paramètres de gestion d'alimentation, dans la partie « Mode repos ». Et vous allez cocher « Rester connecté à Internet » et cocher aussi « Autoriser l'activation de la PS4 depuis le réseau ». Quand c'est fait, vous n'avez plus besoin de toucher à la Play. Mais par contre, vous devez maintenant aller sur votre ordinateur et aller sur le site qui sera dans la description pour télécharger le logiciel « Lecture à distance PS4 ». En l'ouvrant pour la première fois, on va vous demander de vous connecter à votre compte PlayStation. Et puis ensuite, on va vous demander de brancher votre manette avec un câble USB. Et bien entendu, votre câble doit être branché sur votre ordinateur. Après, vous avez accès à votre Play et vous pouvez jouer à vos jeux. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des petites choses à savoir, hein, les amis. Déjà, premièrement, vous devez avoir une bonne connexion Internet, sinon vous risquez d'avoir des lenteurs. Il faut aussi avoir une certaine petite configuration quand même sur votre ordinateur. Ça ne marche pas pour tous. Et aussi, point important, ça ne marche pas sur Windows 7. Ça marche uniquement au minimum sur Windows 8. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !